termes de religion, il y a bien des Vaudois, il y a bien des Fraticel. La Bourgogne risque de venir d'ailleurs. Bon, après, je me dis, j'ai pas perdu des territoires personnels, j'ai perdu des territoires d'un vassal. De ce côté-là, je vais pas trop m'en plaindre, quoi. Ah d'accord, je peux. J'ai un co-vassal qui s'est marié à un chat noir. Ah ouais, écoute. Pourquoi pas? Chez Elbulbona de Soria. C'est un des comtés entre l'Asturie et la France. Et Svijod, c'est gros comment? C'est pas encore tout petit. Il y a 2700 troupes et 8000 et quelques de vassaux. Le temps qu'ils arrivent, ils vont arriver par bateau et moi j'ai que 5000. Je suis 7500. Ça peut le faire, mais faut vraiment le faire vite parce qu'après tu vas te faire dérouiller. Bah, le truc, c'est que sur le principe, si j'ai vraiment très beaucoup, je vais dire ça comme ça parce que j'arrive pas à le dire autrement. Si j'ai vraiment beaucoup de troupes, je peux faire un assaut sur tous ces territoires. Et donc, à partir de là, c'est qu'à deux permettent de gagner. Tiens, ma femme est décédée. Merci pour le fait de l'avoir envoyée dans le coma. Ça m'arrange fortement. Pas de souci à ton service. Sauf si niveau fortification est de 6 ou plus. Non. Maudire quelqu'un. Vous avez quelqu'un à maudire ou... Monseigneur Lige. Monseigneur Lige, pas de soucis, ça t'en court. Je suis étonné qu'il n'y ait pas tant de bordel que ça. À rendre incapable, c'est parti. Je pense qu'il y a un capable. Attendez, pause, excusez-moi. Vos terres prospères vous donnent réputation d'un roi en capacité impressionnante. J'aurai chef des armées de Frédéric, quoi. J'ai une offre qui vous assurait une paix entre nous. Permettez-moi de gouverner le comté de Perugia en votre nom, et personne n'osera plus attaquer. Perugia? C'est où, Perugia? Comté de Spolette et de Perugia. Pourquoi? Ah, mais c'est un chat noir. Attends, de la famille Ergia. Et son frère, le Yarldom de... Putain, c'est quoi ce bordel? Par contre, c'est vrai que ça serait intéressant, mais... Ouais, je me dis oui. Voilà. Et en plus, je prends 300 balles, donc bon, mon oncle est pas content, mais je m'en fous en fait. Parce que j'obtiens un chat noir pour un chat noir, donc même pas, ça m'embête même pas. J'avais la caserne sans permis. Puis pour 300 balles. Récupérer des armées en plus, je vais pas dire non, quoi. Il me manque 1500 troupes. Ah. Mais tu voudrais pas que j'incapabilise le roi de Svijod, là? Svijod, tu peux. Vous avez pas quelqu'un qui est enceinte ou malade? Non, même pas. J'ai pas mon épouse. Et mes filles ont l'air de se porter bien, merci pour elles. Si, mon héritier est la diarrhée. Donc techniquement, il est malade. Merci. On va de rien, merci à toi.
Moi, ça me fait ma quête. Moi, je sabote un territoire, mais je suis pas encore. Il me manque 5 ans avant de devenir. De passer responsable. Donc, Le pape et chat. On déconne, je veux voir ça. Oh! C'est un chat comment ça? Chat noir. Bon, bah c'est bien. On va faire en faisant les chats qui se répondent. Ah oui, le pape est infirme aussi, j'avais pas vu. Ah, j'ai pas vu que Crémon est devenu chat directement sans que je fasse rien. C'est beau? Ah non, je vais quand même le donner le territoire dans sa carrière. Encore en vient, toi. Voilà. Je peux pas accepter la vassalisation. Alors, il s'est fiancé à quelqu'un de moche. C'est ballot. C'est pas le plus royal qui soit, quoi. Pourquoi ils veulent pas la vassalisation forcée? Sans vraiment. Conquête norvégienne de Hambourg contre la reine de l'Italie. Et ils viennent attaquer directement l'Italie plutôt qu'attaquer Hambourg. C'est bien, les gars, vous allez loin hein, comme ça. Voilà. Attends. La question c'est est-ce que je peux lancer mon attaque avant de mettre quelqu'un dans le. Et pourquoi tant de haine là? Parce qu'il n'y a pas de U. Aïe 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 aïe. Bon, un conseiller qui m'aime bien, de préférence. Dirigeants non mariés. Oh, elle est décédée, madame. Il faut une nouvelle madame, mais pas toute jeune, parce que j'ai pas envie d'avoir d'autres enfants. Ah, 16 en attendant, c'est pas mal. 39 ans, ça se joue. Avec ma tante? Oui, merci, Tati. Alors, on va pas dire que nos familles sont pas liées, hein, depuis le temps qu'on fait des mariages. Ça va devenir consanguin à ce rythme-là, faut faire gaffe. On est un peu là-dessus, ouais. Alors, qui est mort, mon intendant? Alors, on a plus mis. Ah, lui, il m'aime bien. Il y a une révolte chez le Byzantin, mais ça a pas l'air d'être une grosse. Alors, est-ce que je peux. Est-ce qu'il veut pas se faire vassaliser? Non, il veut toujours pas se faire vassaliser. Donc une guerre de vassalisation, je pourrais, mais le conseil a pas envie. Quelle bande de... Elle est pas de vie, elle est grosse quand même. Hein. Celui-là, oups. Hop. Ma femme voilà. Est enceinte. Ah, voilà une bonne nouvelle. Si je peux avoir un petit gars, ça serait bien. Parce que pour l'instant, mon héritier, c'est mon oncle qui est actuellement en Écosse et qui a un mariage matrilinéaire avec... C'est pas cool ça! C'est pas fait exprès! C'est pas cool ça! C'est pas fait exprès, moi c'est l'habitude. La famille, les filles de la famille, je les mets tout le temps en matrilinéaire. Je le cherche même pas au cas où. Ouais. Si je peux récupérer un truc à droite à gauche, voilà. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Bah ouais, tout à fait, Thierry, tout à fait. Il y a 14 000 troupes alliées vassales potentielles. Non, ça fait beaucoup. Il n'y a que 4 personnes, 5 personnes qui l'aiment pas. Enfin, 3 personnes qui l'aiment pas et 3 qui sont neutres. C'est pas top, quoi. Alors, attends, l'émission... Saboter un comté. Encore ? Oui, et on finira par le voir, hein. Ben, il le voit, je peux t'assurer que j'ai saboté Rome dans tous les sens. Pour ça que le pape t'aime pas trop. C'est possible. Il y a peut-être un lien de cause à effet. Ça peut expliquer à tout hasard. Ça peut expliquer certaines choses.
faire chanter le vassal. Le catholique au Maghreb. Oh putain. Excellent. Révolte catholique au Maghreb? Oui, oui, je sais pas pourquoi. En plus, il a spawn dans un comté visigoth. Oui, mais catholique visigoth, c'est pas déconnant. Mais en plus, t'es sûr que t'as un territoire berbère catholique, toi. Comment ça? J'ai un petit chat. Bon, comment qu'on l'appelle, ce petit chat? Miaou. Non, bon, on l'appelle Miaou. Nyan Cat. Faut l'appeler Nyan Cat. Non, mais vraiment, les gars. Quoi? S'il vous plaît. Ah, je sais pas. Si je vous dis que le roi de Saxe est chat noir et chat... Mais pourquoi pas, écoute. Nous, on n'est pas... On n'est pas contre. Que l'Italie est chat et chat noir. Mais très bien. Alors maintenant, je peux faire des guerres frontalières comme j'entends, quoi. Il y a pas mal de chats en Angleterre, hein, si tu vas par là. Vous avez pas une femme enceinte? Il y avait la mienne, mais elle vient d'accoucher. On va finir par se poser des questions, mais tu nous dis ouais. Pareil. Hein. Ouais, clairement, parce que bon. Ouais, parce que là, si j'en trouve une, je peux monter de rang et pouvoir changer de cible. Hyacinthe italienne pour ivrée. Oh, ah bah non, je vais pas les taper tout de suite alors. Si plein de livrée, ça pourrait être très drôle. Surtout qu'il attaque avec 10 000 troupes. T'as raison, False Aigle, chez Noir devient la mode. C'est qu'il regarde trop les streams de Classim, c'est pour ça. Ouais. Ah bah c'est bon. Ils font du GTA. Ils disent, ah, oh, chez Noir, ça a l'air trop bien. Oh, c'est sûr, hein. Il a été tellement chez Noir qu'il a été banni 24 heures du RP. Alors ça, quand même. Ah, bien sûr. C'est triste, mais bon. Non, c'est pas forcément triste, c'est que c'est normal, quoi. J'ai pas respecté les règles, j'ai pas respecté les règles. C'est pas la fin du monde. Hein. Enfin, surtout, j'ai pas respecté les règles à deux temps d'intervalle très court. Voilà. L'Écosse a grandi. L'Écosse a grandi. Ah oui, oui, t'as pris la chance. Une petite vassalisation forcée, ça fait du bien. Il y a la Norvège d'ailleurs qui est bien. Oui, bah oui, mais c'est l'autre qui a hérité, du coup, ça a coupé son pays en deux, du coup. Hein. Il y a pas mal de vikings, mais de deux pays différents. Alors, faut que je me disquisque aussi. Ah, je suis une menace. Oh. Me dire quelqu'un. Faut toujours me dire le français, ou... Est-ce que quelqu'un pourrait c'est son petit frère. Snuka de Ferrari. Snuka de Ferrari. C'est qui? C'est ton fils? Non, c'est un neveu, mais illégitime. Un neveu, alors du coup, je remonte à ton... Ma sœur qui est morte. Attends. Tu prends... Non, mais je suis sur ton perso, voilà. Quaxo, l'impudique. C'est noté que ton père, c'est ton beau-frère. Oui, c'est un détail, ça. Non, t'as mon neveu, quand tu prends ma sœur, Usan, ouais. T'as son fils, Snuka. Et Spooka, ouais. Ok, Snuka. C'est parti. Ouais, tu rendre incapable. Lui. Allez, un bâtard... bossu. Bon, bah l'Italie, je crois qu'elle était en train de se prendre une raclée. Pourtant, il c'était 14 000 troupes, hein, mais c'est pas suffisant. Bon, j'ai une revendication là, sur une partie Sinon, il y a un petit peu l'émir qui est l'émir du Portugal, que j'aimerais bien le débarrasser. Ah oui, il est puissant. L'émir du Portugal. Il a tout le Portugal et la Galicie. Oui. Oui, il manque juste un tout petit duché. Tu veux que je l'incapabilise? Ça m'arrangerait. Et c'est parti. Et voilà. Alors, une nièce. Qui c'est qui peut se marier? Ma nièce. Ah merde. Maintenant, l'Italie est redevenue catholique. N'empêche. Et... Mm-hmm. Et Franck. Merde. On peut plus faire de...
On va faire une guerre sainte pour Brescia alors. Hein. Je viens de marier ma nièce à un chat noir qui a le surnom le malchanceux. Je devrais le renommer Cléassim, non? Peut-être pas alors. Oh putain, je suis devenu lunatique. Plaisir, je vais pas le renommer, c'est dommage. Bon, on n'a pas renommé le petit chat. C'est peut-être trop tard maintenant aussi. Non, non, je peux. Ah non, moi j'irai sur quoi. Ouais, il faut. Comment qu'on le renomme ce chat? Japonais. Il va s'appeler chat. Ouais. Chaton? Non, chat. On peut l'appeler ton. Comme ça, c'est le chaton. Je pourrais ça, you. Ça va être un comté. Et tu crois que tu peux venir piller chez moi comme ça là? Gars. L'autre, je me suis dit, je me fie à votre savoir, il m'a rendu fou quoi. Ah, oups. On n'a pas la même définition de savoir quoi, je crois. Mmh, tout à fait. Ouais. Ouh, l'empereur de France s'est excommunié. Très bien, très bien. Pas mal. C'est-à-dire que ses vassaux doivent pas bien l'apprécier. On va attendre qu'il y ait un deuxième fils pour le tuer. Oh non, pas tant que ça quand même. Ouais, il y en a qui l'aiment bien quand même, le roi de France. C'est bizarre, ouais. D'accord. Aïe. De monter de niveau, oui, je prends. Oh, le légalisme niveau 3, c'est chouette. D'ailleurs, lui est mort. Ouais. Envoyer un mauvais présage, ça je sais pas, ça. 2% de chance de le rater. C'est bon. Félicitations. Maintenant, je vais pouvoir maudire des gens. Ça, c'est bon, ça. Oh putain, je viens de perdre 2000 troupes, là. Comment ça se fait que je perde autant de troupes, moi? Oh, qu'il est pas mal, mon héritier. Ça, je te rappelle que la dernière fois que j'ai dit qu'il est pas mal mon héritier, c'est parti en... En sucette. En maudissant tout ce qui passait, etc. Donc, es-tu sûr que ce soit une bonne idée? Non, non. J'espère juste qu'il va réussir à... à aller jusqu'à se marier et à faire un petit... Parce que moi, j'aimais juste le truc comme ça, hein. Je me doute. Parce que normalement je dois pouvoir le maudire, mais. Non, elle t'avise pas de faire ça sinon c'est la guerre. C'est ça, je peux le rendre incapable. Je peux tout à fait le faire. Oh, c'est moi qui éduque un courtisan qui est même pas de ma famille. Est-ce que c'est cadeau? Je pourrais essayer de signer un tuteur. Voilà. J'ai un connard qui veut me faire peur. Ouais. Il partage sa ligue chez moi. Non. Bah oui, en fait, c'est exactement ça. Bon, bien. Oui. Et le pire, c'est que c'est celui que j'ai aidé à prendre un territoire.
c'est mes armées remontées, hein. Et je vais aller prendre sa capitale directement, hein. Ça va être plus rapide. Hein. Il y a 7000 troupes d'événements. Vas-y, vas-y. Montre-moi ta puissance. Faites tes armées. Bon. Le roi de Norvège, c'est un chat noir. Oui, oui, oui. Bah, le précédent, c'en était pas un. Je l'ai incapabilisé. Histoire. J'essaie de les incapabiliser en boucle pour voir si ça couperait pas un peu. Mais non, ses frères et sœurs sont humains. Ah, mince. Ta tati est décédée d'un profond coma. Bah, bravo. Je suis désolé. Oui, je vois ça. Techniquement, j'y suis pour rien, mais ça m'embête autant que toi. On dirait que. Il y en a un qui a de sacrés gros problèmes. Si. Pitié, pas moi. Non, non, Monseigneur Lige. Ah. Une petite tyrannie. Ah oui. Une chose qui arrive. Ce que j'aime bien, c'est quand un comte essaye de te menacer que toi, il a qu'un comté. Surtout quand il est tout seul et qu'il se sent fort. Parce que toi, t'as 2000 troupes, mais que lui, il en a 7000. Sauf que quand il fait des assauts à répétition, comme un cogno à foncer dans le tas, oula, juste comme ça, il traîne, ça a baissé un petit peu. Encore ? Pas mignon. Oui. Et donc, forcément. Ah, mais en plus, t'es rentré dans la révolte. Oui. Il est si pénible que ça pour ton suzerain ? Parce que bon, il avait l'air d'un joli pan, quoi. Il est léon. Une petite tyrannie, hein. Vu que j'avais pas envie de lui donner mes troupes. Ah, oui. Bah bon, tu donnes pas vraiment tes troupes, quoi. Je leur donne une partie, quand même. Ouf, taille. Bon, par contre, je vois Gen qui est en train de défoncer ce Svijod. J'aurais tendance à dire que je suis agréablement surpris. Ou c'est parce que Svijod n'est pas encore arrivé. C'est surtout que Svijod était contre l'Italie et il a d'autres guerres sur l'eau, je crois. Si tu regardes bien, il a guerre sainte Gliwicienne pour Somerset, guerre sainte Frioulan pour Ivrée, guerre sainte Mazovienne pour Pomeralie, guerre sainte Génoise pour Ivrée, guerre italienne pour Ivrée, grand chef Appa de Panjama, guerre suédoise, enfin conquête suédoise de Schmackor. Il a l'air d'être bien en fait. Merci d'être passé, Falsac. Passe une bonne soirée, une bonne nuit. Bonne soirée, Falsac. Et je suis en train de faire des revendications sur le bénévent. J'ai mes revendications sur le bénévent. Enfin, j'en ai une sur Aniternum et je vais pouvoir peut-être attaquer le bénévent derrière. Qui est à 1100 troupes. Donc je pourrais l'attaquer, je pense. Et récupérer des troupes supplémentaires par rapport à ce que j'ai perdu. Le roi de France qui se planque, ça me fait mourir de rire. C'est pas ça qui va t'empêcher de lui envoyer une petite incapacité. Oui, on est bien d'accord. Pour combattre bien le roi de France de la manière dont on peut. À l'empereur pour l'instant. Mais Moi, si je pouvais avoir une guerre de dissolution de l'Empire de France, je dis pas non, hein. Vraiment, je dis pas non. J'avais pas vu. Le chef de ma société est en prison. Ah. C'est pas cool pour lui. S'il meurt, lui... Nous offrons notre reddition. Accepté. Si je le bannis... Bannir. Je récupère quoi ? On va évoquer son titre. Hein. Je me demandais d'où ça venait.
Et l'autre qui essaie encore de venir me piller. Non, mais ça va aller, 5 minutes là. J'ai tellement de mal à récupérer mes troupes. Quoi. Qu'est-ce qu'il fait le Byzantin attaqué ici? Faire payer un tribut au roi Albric d'Italie. Ah non, mais non, ça c'est pas cool ce que tu fais là. Ah bon, par contre, je suis déjà d'arriver avec ses 7800 troupes là. Je pense que ouais, le Gène il va pas aimer le. Bon, pendant ce temps-là, je remonte mes troupes. Bon, parce que si j'y arrive, je peux mettre 10 000 troupes sur la balance. Alors, ça ne fait rien contre les troupes françaises, mais... Bon, et surtout, il a un gros pacte défensif sur la gueule, mais... C'est bon que je puisse pas lever toutes mes troupes, quoi. Ah mais j'ai de la cavalerie dans mes troupes. Pourquoi j'ai de la cavalerie? C'est quoi ce mercenaire? Bah ouais. C'est pas un platine. Non non, parce que c'est dans mes c'est dans mes C'est pas par héritage, c'est tes escorts. Si si, c'est par héritage, mais sauf que je sais pas comment il l'a obtenu. Parce que moi j'ai pas d'accès aux cavaliers. Enfin j'ai une cavalerie mais il y a de la légère et de la lourde, mais j'ai pas de la lourde dedans. J'ai que de la légère. C'est pour ça que je suis... Il faut dire quelqu'un. On va faire FK bio. Ça marche. Ah. Enfin un deuxième gars qui serait content d'être au conseil. Peut-être qu'avec deux, surtout avec le maître espion, je vais pouvoir arriver à faire des choses. Avoir une primogéniture, ce serait sympa. Mais on n'y est pas encore. Moi, je me suis battu pour la guerre d'ailleurs, c'est pour dire. Déjà, je voudrais administration tardive pour commencer. Oui, ça c'est un peu la base, on est bien d'accord. Oh, c'est le duc de Venise qui pourrait devenir chef de la société secrète. Ah bon? Mmh. C'est lui l'héritier actuellement. Bah, c'est con que j'ai pas de troupes parce que j'ai eu à peine 7600 troupes parce que sinon j'aurais bien fait la guerre contre... contre le Norvégien pour récupérer Ivrée. Hein. Ça, ouais. La France fait la guerre pourquoi? Non. D'accord. Les Oumeyades sont en train d'attaquer les Asturies, donc la France est venue l'aider, d'accord. Comment dire qu'il y a de chances que les Oumeyades se fassent niquer? Il y a des chances, oui. J'ai envie de faire la guerre pour Ivrée aussi, mais le truc c'est que. Pour l'instant, en termes de troupes, j'ai que 3000 troupes sur 5200. Elles se sont pas toutes mises en état. J'ai Arezzo qui s'est fait piller, j'ai Florence qui monte à peine. 16 troupes par mois en fort maximum. C'est long, hein. Ok.
quelqu'un pour après essayer d'assassiner mon maître espion, mon héritier. J'ai pas envie d'avoir un faible de la famille. Déjà, je vais le rendre incapable, des fois ça les tue. Et en termes d'assassinat, je suis à 59%. Et voilà. Je peux monter à 73. Là, j'ai du 65, mais non, bah, t'es mieux que moi, ça me tire. Ouais, alors bougez pour tuer le roi de Devion. Et puis, on sera bon. Bah, je peux commencer dans ce cas l'assassinat, si c'est que ça. Ouais, éventuellement. Je peux même mettre le maître espion dans dans le truc. Tu devrais faire attention à ton maître espion, mon cher Asmuro. Mon maître espion même à 34, donc ça va encore. Ouais, mais il accepte d'être corrompu pour assassiner ton fils. Vu que je veux qu'il soit mort en soi. Oui. Ça pose problème. Ouais, t'es indépendant, Asmuro. Non, je suis en guerre contre Poursuiva. Ah, d'accord. Faudrait que tu te fasses vassaliser par le français, ce serait rigolo. Ah, ça me permettrait de le manger de l'intérieur. Voilà, c'est ça. Hein. Mozart le chaste. Mais bon, je profite un peu du fait que le français soit en guerre contre... Et je sens que je vais... Pas très bien. Ça va pas très bien finir, d'ailleurs. Oh, purée, fais chier. J'ai le Byzantin qui se met en travers. Fais chier.